suis très proche de la nature, très connectée à la nature. Oui, je me serais bien vue aussi faire quelque chose pour l'écologie ou quelque chose comme ça, oui. J'ai choisi ce métier surtout pour la créativité. Disons que je ne vois pas de limite dans la création. Il y a le mélange des matières, la matière qui est très importante, qui est très, très intéressante, que j'aime beaucoup. Mais ce qui me plaît dans mon travail, c'est l'attente, l'espoir de le voir finalisé. Et puis une fois que je suis là, c'est déjà fini finalement. Donc très vite, le plaisir, c'est, il arrive avec l'idée. Quand j'ai l'idée qui arrive en tête, je suis pressée tout de suite, très impatiente de le mettre sur dessin. Une fois que c'est couché sur papier, je suis très impatiente d'aller à l'atelier pour le réaliser. Disons que je pars de mes dessins et après je m'arrange pour que la technique puisse suivre, voilà. Mais je fais pas le contraire, j'adapte pas mes dessins, le design, les traits par rapport aux contraintes techniques parce que je perdrais l'intérêt de mon travail finalement. Si je devais qualifier mon métier en un mot, ce serait la passion. Et finalement, j'adapte la technique pour avoir un design hors norme, enfin, voilà. Une façon de se dépasser, c'est ça qui me plaît.